C'est normal que j'ai pas son dans les oreilles? Oui, c'est normal. Attendez. C'est... Des nôtres, il s'est réabonné comme les autres. Merci Alexandre, ça fait plaisir. Merci, merci. Impeccable. Bon, vous me direz si c'est assez fort, si tout est bon. Je vais juste faire un petit plein d'essence pour commencer. Voilà, attendez, on fait un petit plein d'essence, nickel. Non, c'est vrai qu'il a monté le gasoil, là. Hein. Allez, cochon. Arrêtez le moteur, voilà. Petit plein d'essence, camion, bah oui. Merci Mars Gaming pour le host, ça fait plaisir. Merci, merci. Dis donc, ce qui est cher le plein. Oh, presque 500 balles, les cochons. Oh la vache. C'est pas donné, hein. Bon, on va faire une petite pause, bien sûr. Avant de prendre la route, est-ce qu'on peut faire la pause ici? On va se casser. On va aller faire la pause plus loin. Révolter auprès de Macron. Ah bah bien Arc. Vas-y, fais ta révolution. Salut agent Apollo, bienvenue. Bon attendez les gens, parce qu'il faut qu'on s'arrête à l'hôtel là. Tiens, on va s'arrêter là. Il y a un petit hôtel là. Non? Ah bah non, on peut pas tourner là. Là je pense qu'on peut s'arrêter ici. Ouais, voilà, petit clignotant. Lisette logistique. Je suis pas sûr qu'on peut faire une pause ici. Hein. Ah bah attendez, peut-être que ça marche. Voilà, on coupe le moteur. Ah bah voilà, on peut faire une coupure juste ici. Impeccable. Est-ce que le prix de l'essence monte aussi dans Euro Truck? Non, ils ont arrêté de le mettre à jour. Bah pour l'instant. Ils ont arrêté de le mettre à jour, tu vois, sur Euro Truck, le gasoil il est à 1,23€. Hein. Attendez parce que... Je vais vous baisser... Je vais baisser encore un petit peu la musique là. Alors, aujourd'hui... Non mais déjà, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous et toutes très bien dans le chat. Oh là là, c'est la folie sur Twitch. Mon Dieu, on est déjà 500 000, un truc de fou. Aujourd'hui, je propose un petit voyage, une petite livraison sur Euro Truck Simulator 2, bien entendu. On se trouve à Lisette Logistique. On va aller chercher une mission du côté de Lisette Logistique. Voilà, en fait, c'est juste à côté. En fait, je crois que j'y étais déjà. Non, j'y étais pas. C'est juste à côté. Voilà, on va prendre une petite mission. Gagner de l'argent pour votre entreprise. Bien sûr, on va faire comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a Paris-Clermont. Paris-Saint-Alban. C'est où Saint-Alban? Mon Dieu, c'est loin Saint-Alban. On dirait Clermont aussi, quoi. Y a que ça? Ou c'est pas possible? Eh bien, écoutez, je pense qu'on va aller... Ouais, on va aller dans le Puy-de-Dôme, tiens, on va aller jusqu'à Clermont. Où est-ce qu'elle est, Masmi, par contre? Votre remorque est prête, rejoignez l'aire de chargement. Alors, attends. Où est-ce qu'elle est, ma remorque? Oh, je pense qu'elle doit être derrière. Ouais, yes, c'est derrière. Oh là 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 là, ce petit virage bien négocié, bien sûr. Je vais vous montrer comment qu'on attrape une semi en un temps sur Euro Truck. Voilà, hop, petite marche arrière. Regardez ça. C'est juste magnifique. Yes, on attelle. Et nickel, on est parti du côté de Clermont-Ferrand. Alors on part, attendez, j'ai même pas regardé ce qu'on transportait. On va appuyer sur échappe quand même. Aujourd'hui, nous transportons donc des rouleaux de films plastiques. Voilà, de Paris jusqu'à Clermont-Ferrand. Il nous reste 12h49 pour un revenu total de la mission de 9 513 €. Un travail d'enfant pour un routier de l'extrême comme moi. Voilà. Go, ça marche, c'est parti. Allez, let's go. Écoute, Suprakidou, si tu nous entends, je te donne rendez-vous à Clermont-Ferrand. Rendez-vous à Clermont-Ferrand, je répète, 1-2-1-2, rendez-vous à Clermont-Ferrand, Suprakidou. Oula, 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 oula. MDR, l'arnaque. Non, bah 9000 balles pour aller jusqu'à Clermont-Ferrand, c'est pas une arnaque. C'est très correct, je trouve. C'est du bon travail. Oula, là, 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 lasmi, lasmi, lasmi. Ça va, tranquille, j'accroche à rien. Non, non, c'est pas une arnaque du tout. C'est du très bon travail. De Paris jusqu'à Clermont-Ferrand, 9000 balles. Pour transporter des rouleaux de plastique. C'est plutôt correct. Bien sûr, petit clignotant. On va essayer de rouler bien aujourd'hui. Hein. Vous voyez que j'ai personne dans les pattes. Là, j'ai pas de titi pour me faire chier, pour me faire des queues de poisson ou quoi. Bah, jusqu'à ce qu'il arrive, bien entendu. En principe, je vais vous montrer un petit peu de skill sur la route. Ça devrait bien rouler. Voilà.
Oh putain. Oui, alors bien sûr, bah je lis aussi vos messages, hein. Oui, c'est correct, je trouve. Bah oui, c'est correct, hein. Ah, Suka, t'arrives. Ça marche, Suka. Eh bien, écoute, on a un routier de l'extrême qui va nous rejoindre. On a deux routiers de l'extrême qui veulent nous rejoindre. Voilà, écoute, Alexandre, tu me dis où est-ce qu'on peut se rejoindre. Et bien entendu, je me garerai sur... si je trouve une petite aire d'autoroute un peu plus loin. Il marche plus, ce feu? Bah, sans travaux, mon vieux, ici. Et depuis quand? Très chelou. Très, très chelou. Petit rond-point qu'on va négocier, bien sûr. Il n'y a plus de son. Bah, monte ton casque, Naïm. Je te conseille, en tout cas. Parce que le son est largement fort. Voilà. Allez, c'est qui part. Tu es online? Oui, bien sûr. Oui, on est online, là. Ah, attendez, j'ai un doute, là. J'ai un gros doute. Est-ce que je me serais pas fait bannir du serveur des fois? Attendez, on va se garer. J'ai un doute là. Vous voyez? Voilà, on va se garer. Très bonne remarque. Tu fais bien de poser la question. Attends, oh putain mon vieux, comment que... Oh la vache. Ça va, ça arrive. Salut Hugo, bienvenue. Attends, très bonne remarque. Est-ce qu'on est online? Ah bah non, on n'est pas online, mon vieux. On a dû se faire bannir du serveur. D'accord, et vous me dites ça que maintenant? Bon, alors écoutez, c'est pas grave. On va redémarrer le jeu, tout simplement. Et on va se mettre bien. Bon, cette fois-ci, petite coupure. On est en ligne, les gens. Voilà, on s'était fait ban. Tout simplement parce que je n'avais pas allumé mes phares. Il y a un routier de l'extrême qui nous a rejoint. Salut à toi, Nicolas. Salut à vous. Salut, salut. Je sais pas si vous entendez bien Nicolas dans le live et vous-même sur la vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans le chat. Sinon, je baisserai un petit peu le son du jeu, hein. Je suis à Lille. Ah, bah Naïm, c'est pas dans ma direction, déjà pas. Je m'en vais du côté de Clermont-Ferrand, là. Donc, si tu veux nous rejoindre du côté de Clermont... T'as déjà joué au rugby en club? Oui. C'était Ligue 2, mon vieux. Ligue 2. Et puis un jour, bah, c'était le drame. J'ai subi un plaquage. 9 points de suture sur la clavicule. Ils étaient 5 contre moi, mon vieux. 5. Des armoires à glace. Je me suis débattu, tu vois. Bon, bah, j'ai réussi à les niquer. Ligue 1, j'étais sélectionné pour la Coupe du Monde. Et malheureusement, à la dernière minute, j'ai pas été retenu. Sélectionneur, et voilà, il a pas voulu de moi. Il a vu l'état de ma clavicule et tout. Salut Zektar, bienvenue. C'est quoi ça? Bah depuis quand mon vieux, il y a des pompiers sur Euro Truck Simulator qui éteignent des incendies? C'est nouveau ça? C'est une mise à jour ou quoi? Attends, on est en multi? Bah oui, on est en multi. Ah non mais c'est dangereux les gars, vous vous rendez compte? J'ai failli en renverser un mon vieux. 4 meurtres. Bah ouais, mais j'ai pas fait exprès moi. Qu'est-ce qu'il fout en plein milieu de la route, l'autre? Non, mais sérieux. On l'entend pas très fort. Ah, attendez, je vais me garer. Je vais me garer, les mecs. Bon, après ce dur accident, on a monté, bien sûr, notre routier sur Discord. Est-ce que tu nous entends, Nicolas? Oui, oui, bien sûr. Impeccable. Normalement, ça devrait être pas trop mal. Je te conseille le G29 plus tard si ton G25 tombe en panne. Ah! Effectivement, Kevin. Tu veux déjà commencer à me faire un petit don pour cotiser? Je suis pas contre. T'as un petit PayPal dans la description, là. Ouh, mais dis donc. Hein? Si tu veux y faire un petit don à lui aussi, là, pour qu'il s'achète une conduite. Effectivement, le G29, ouais, ce serait pas mal. J'avoue. Bon. Oh, plutôt pas mal, ce petit tunnel. Très sympa. Alexandre, on t'attend toujours, hein. Complètement taré au milieu d'une autoroute. What? Oui, les pompiers, oui. Tu vois, tu es dans le serveur 2, non? Oui, serveur Europe 2, si tu veux me rejoindre, Nicolas. Et salut à toi, fou. Comment vas-tu?
Elles servent à quoi les voitures dans le jeu? Bah c'est pour ceux qui ont envie de conduire des voitures quoi. Voilà, elles servent à foutre la merde quoi, tout simplement. C'est Sladek, comment vas-tu? Ça va? Bon. Oh, petite pointe à 100 km/h sur l'autoroute. On est plutôt bien. Ah putain, j'ai un petit peu de dégâts sur le camion quand même. Ah bah oui, mais c'est normal que j'ai un peu de dégâts sur le camion, les gens. J'ai même pas été le réparer en fait. Tu as quoi comme camion, je vois? Un Renault. Ah ouais. Ouais, bon, ça doit être un. 750, ça doit être un Magnum. C'est 90, oui, mais attends, 90. Non, mais ça, c'est. Ça, c'est les lois bidons à Macron, ça, mon vieux. Un camion sur l'autoroute, ça devrait rouler à 130, 140. Bah oui, bah les livraisons. Faut bien que ça se fasse un petit peu, tu vois. D'accord. Nous avons un routier dans le chat qui va arriver. Il est en train de se cheater. Tout va bien se passer. On t'attend, Alexandre. Cheat-toi tranquillement. Oh putain, c'est normal que. Ah oui, c'est peut-être normal. J'ai ma caméra qui tourne en même temps que je tourne des fois. Ah oui, bah ça, tu peux les activer, c'est la barre, mais tu veux le laisser, mais moi, c'est bon. Je... Ouais, non, mais je crois que c'est parce qu'en fait, j'ai ma souris qui vibre ou je sais pas quoi. Ça va, tranquille. J'aurais peut-être dû passer au télépéage. Prochaine fois, quoi que j'aime bien, ça fait RP aussi, là. Donner, voilà, donner sa petite carte, là, comme ça, pour faire le péage d'autoroute. Allez, mon gars. Je vois, tu t'en joues, du coup. Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. T'as acheté le pack de Vive la France? Salut Illy! Mais non, c'est toi le plus beau Illy! Oui, j'ai acheté le pack de Vive la France. Ah ouais. Ouais. Tu veux me rejoindre à Clermont-Ferrand? Tu l'as, non? Bah, je sais pas, moi j'ai pas Vive la France donc je sais pas si tu ferais pas France. Tu pour prendre l'endroit de Saint-Germain. Ah, je suis pas sûr que tu puisses rejoindre à Clermont-Ferrand, Nicolas, si tu n'as pas Vive la France. Bah sinon pire quand tu pars en autre mission je pense au Saint-Germain quand tu passes là ou quoi. De quoi? Si qu'après la prochaine mission que tu fais travail, si tu repasses vers côté droite de la France. Ouais, bah oui, pourquoi pas, on peut se croiser éventuellement. On peut s'arrêter à un petit bistrot du coin et tout et je te paierai un petit coup volontiers, Nicolas. Bien sûr. Non, je peux payer, j'ai 368 millions. Je suis en direction de Clermont. Ça marche, Naim? Eh ben écoute, on se rejoint à Clermont. Oh putain. Il s'est abonné comme les autres. Merci Kev, 14600. Je te fais une big dédicace sur le live et sur la vidéo, bien entendu. Merci à toi pour ton abonnement, ça me fait extrêmement plaisir. Tu as le lien du serveur Naïm. En plus, Macron, il a augmenté le gasoil. Et bah, tu vois, tu contribues. Et ça fait plaisir. Le lien du Discord, les gens, il est sur ma chaîne YouTube. Dans la description. Bim, excès de vitesse. Oh, ça va. Il y a Kev qui vient de s'abonner. C'est bon. Voilà, je veux dire, tu vois, ça compense. Alors, je suis en Allemagne. Ah! Ah, c'est pas du côté du Puy-de-Dôme, ça. Déjà pas. C'est que je vais aller vers Dijon. C'est pas vers Clermont. Si tu veux, on peut se rejoindre vers Paris ou Dijon. Attends, oh, je vais me retourner. Non? Oh, le deux roues avec la SMI derrière, mon gars. Normal, je suis un voisin de département. Ah bah, ça fait plaisir, Kev. Ça fait plaisir. On va peut-être couper le clignotant, voilà, qui sert plus trop à rien. Du coup, je peux t'envoyer à Paris, Dijon ou Lyon, si tu veux. Ah, moi, je suis à Clermont. Là, j'ai une petite mission à faire jusqu'à Clermont. J'ai des rouleaux de plastique à livrer. Je m'en tiens à ma mission, Nicolas. C'est... Oh, putain, attends, je suis en train de rouler sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est lequel le jeu? Il y a plein de quais. Désolé de pas être habitué. What? Mais j'ai pas compris, Pierre. Mais si tu veux acheter le jeu sur G2A, et bien sûr, tu prends... faut toujours prendre quais global Steam. Voilà. Prends surtout pas une clé russe ou quoi, parce que... Sinon, tu l'as... Ouais.
Tu l'as dans l'os. Toujours prendre. Non, qui a Global Steam. Je vais te faire vraiment jeter merci par contre. Ah, moi aussi, je viens de faire un excès de vitesse. Eh ben de rien, Nicolas, ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que c'est grâce à toi que j'ai connu G2S. Comment j'ai acheté tous mes jeux sur Steam. Oh, oh là là. Oh là. Oh, j'ai pas envie de le dire, mais... Oh, l'enculade, quand même. Ah, si. Merde. Sauf pendant les soldes. Steam, ça vaut le coup pendant les soldes. Mais le truc, c'est que sur G2A, les jeux sont au prix des soldes de Steam toute l'année, quoi, tu vois. Donc, bon. Parce que vraiment, pour autre truc, j'ai acheté 20 euros et comme j'ai regardé sur... Putain, G2A, mais j'ai un moucheron qui m'emmerde, là. Sérieux. Ah, vous me devez voir faire des trucs comme ça depuis tard, mais c'est qu'il y a un putain de moucheron, là. Je sais pas ce qu'il fout, là. Oh là là. 120 sur l'autoroute, ça passe, à l'aise. Salut TNT, comment vas-tu? Ça va tranquille? T'es opérationnel Alexandre? Il nous reste combien de kilomètres? Il nous reste... Oh, ça va, ça a bien avancé, 200 bornes quand même. Je vais c'est quand si je suis à 120 à la place de 60? Non, moi aussi je suis à 120. Au contraire, c'est ce qu'il faut. Salut Xiforx, comment vas-tu? Coucou, eh ben ça va, tranquille. Putain mon vieux, je suis en train de rouler en canard là, je fais les quatre coins de la route. Xiforz, salut, merci pour le follow, ça fait plaisir. Oh putain. Écoute Alexandre, si t'es opérationnel, on se rejoint. Bon, on se rejoint à Clermont, hein. Salut Titi. Oh, popopopopopopopo. Wouh. Dangereux de lire un texto à 126 km/h. Extrêmement dangereux. Mais bon, comme vous l'avez vu, ça passe. Reste dans la même voie. Oh, ça va, Arc, ça va, ça va, ça va. Ça va. Tu sais, mon étoile, tu peux la changer. Oui, il faut que je la change également à tous les autres abonnés, Kev. Voilà, faut que je change à tout le monde. D'ailleurs, c'est vrai parce que j'ai remarqué une chose quand même. Bon, pour l'instant, j'ai pas de d'émotes ou quoi, de badge, machin, j'ai pas fait tout ça. Et c'est vrai que je me disais que les abonnés sur Twitch, vous les abonnés sur Twitch, vous n'avez finalement, à part le fait de me soutenir et que vous êtes les rails, vous n'avez absolument aucun avantage à être abonné à la chaîne. Et du coup, j'avais envie de vous donner un avantage. C'est-à-dire que j'avais envie de mettre les rediffusions des lives Twitch exclusivement pour mes très chers abonnés. Qu'en dites-vous dans les commentaires? Bah bien sûr, 90% des gens, ils vont dire non parce qu'ils sont pas abonnés. Mais qu'en dites-vous, vous, mes très chers abonnés? Voilà, sachant que les lives sont rediffusés sur la chaîne secondaire. Par tranche d'épisodes plus ou moins condensés. Voilà. Ah, le bâtard. Ah, hé. Hey. Abonne-toi, Titi. Oui, qui nous dit Soka. Bah, bien sûr, hein. Soka. C'est évident. Oui, qui nous dit Ansim. Lol, non. Abonne-toi, Arc. Moi, je suis d'accord, qui nous dit Kevin, qui vient de s'abonner. Forcément. Sachant que les lives sont toujours... Bah, il faut bien un avantage, les mecs. Il faut un avantage aux gens qui s'abonnent. Ah ouais, vous qui vous abonnez, vous me soutenez. Il faut que je vous passe un avantage. Il faut que je vous fasse quelque chose. Donc moi, j'ai pensé qu'à ça, en fait. Tu vois? Après, je vais pas mettre les chats exclusivement abonnés. Il y a 5-6 personnes qui vont parler entre eux dans le chat. Et encore, quand les 5-6 personnes sont réunies... Donc voilà, je sais pas, j'ai pensé à cette méthode. T'as toujours pas fait l'accident, toi? Non, bien sûr que non, mais parle pas de malheur, Nicolas. Ah, le karma, il va arriver sur moi, je sens. Voilà, je suis en direction de Dijon. Il... Oh putain, mais je parle, il me reste que 60 bornes, mon vieux. On est déjà quasiment arrivé. C'est un truc de ouf, quand même. Ça passe tellement, mon vieux, quand on conduit comme ça. Sinon, fais que des giveaways pour les subs. Alors oui, Kev, je suis d'accord avec toi. Mais
je peux pas me permettre de faire des giveaways avec un sub toutes les 3 semaines, tu vois, c'est pas possible. Ou alors au pire, je te fais gagner un carambar, tu vois. Mais concrètement, non, c'est pas possible. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu me comprends, Kev. Alors, tac. Je passe au télépéage. Je passe au télépéage. Oui, Nicolas, je t'écoute. Si tu as un petit conseil, je te conseille d'un ami. T'as les petites routes, elles sont De quoi? En Allemagne, les petites routes, elles sont sympathiques parce que dans mon GPS, j'ai désactivé passer par l'autoroute comme ça, j'ai que les petits chemins. Ah ouais! Tu peux mettre désactiver l'autoroute dans les GPS? Oui, si tu veux, je peux regarder, je vais dire c'est où. Eh bien écoutez, prochain voyage, on va désactiver l'autoroute, on va passer que par des petites routes. Parce que c'est vrai, c'est qui ça? Comment qu'on... Voilà, tu t'es arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence comme ça. T'es arrêté? Non mais sérieux? Allez, on est y part. On va sortir, on prend la sortie Clermont-Ferrand. Et je pense que le prochain trajet, les gens... attendez, on sort là ou là? Bah, de toute façon, les deux, c'est pareil. Je pense que le prochain trajet, on va désactiver l'autoroute. Oh là là, comment qu'il galère le camtar, mon gars. C'est un truc de ouf, hein. Ça, je suis assez... Alors, on est bien, c'est bon. Oh, on est presque arrivé. Il reste 10 bornes. Tu habites à côté de Clermont-Ferrand. Oui, j'habite à côté de Clermont-Ferrand. Oh, j'habite un peu à côté de partout, hein. Salut, Nono, comment vas-tu? Oh putain! J'ai failli encore manger une rambarde en lisant les textos. Clermont-Ferrand, on y est! On est arrivé! Petit clignotant. Yes! Bah les subs de ta chaîne ont des chaînes YouTube ou pas du tout? Je sais rien, moi, Kev. Je sais pas du tout. Mais de toute façon, faut vraiment que je me penche sur des avantages, tu vois. C'est normal que je donne un avantage aux gens qui me soutiennent. Je pense que vous comprenez tous, quoi. Tout à fait normal. Et ouais, faut que je me penche là-dessus. Ouais, faut vraiment que je vois ça. Et que je mette aussi, que je fasse les emotes, les badges, tout ça. Parce qu'en fait, les gens, maintenant... bon, ça fait déjà un petit moment quand même que je tiens ce planning de live. Ça fait un moment. Ce qui est sûr, ça fait au moins 4 fois que c'est comme ça. 4-5 fois. Tous les mercredis, à 14h, je suis en live. Ça fait au moins 4 mercredis. 4-5 mercredis. Vous voyez? Au moins une fois par semaine, il y a un live. C'est le mercredi à 14h. Voilà, c'est le rendez-vous Twitch. Après, il y a d'autres... on va dire qu'il y a d'autres sessions. Il peut y avoir d'autres sessions de Twitch aléatoires. Selon les jours, les humeurs ou quoi. Voilà, par exemple, je peux très bien live comme ça. Allez, un mardi, j'en sais rien quoi, tu vois. Un mardi soir, hein, un lundi. Mais en général, voilà. Le mercredi après-midi, c'est le rendez-vous Twitch. C'est le rendez-vous des gamers. Voilà. Tu vas arrêter du jour au lendemain comme sur Earthworld. Arrête de dire ça, Titi, là. Putain, merde, je suis parti où avec tes conneries, là? Regardez, là, il me fait faire des conneries, là. Arrête, mais non, je vais pas arrêter du jour au lendemain. Oh là là, seigneur. Alors, attendez. On va reculer un petit peu. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'ai peur pour les palettes derrière. Ça passe. Allez, 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 allez. Putain, c'était à l'entrée qu'il fallait s'arrêter, les gars. J'arrive. Oui. Dans une minute. Oui, ça marche, Nicolas. Ça marche, ça marche. Oh,
Ah, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait nappe. J'ai fait nappe. Et ça, c'est encore de la faute à Titi, ça. J'ai fait nappe. Oh là là, je pars en portefeuille avec la SMI. Ça passe ou quoi? Je vais devoir me garer en mode noob. Je vais devoir me garer en mode noob parce que sinon, va falloir que je fasse un demi-tour et tout. Ça va être la galère. Alors que normalement, je me gare en mode pro, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Dételle la SMI. Ouais, j'aurais pu faire ça aussi. C'est vrai. Bah, de toute façon, voilà, je suis obligé de repartir. Oui, quoi que c'était chaud. Non, on va se garer en mode pro. Tu peux aller à Bourges? Oui, on peut aller à Bourges si tu veux, Naïm, après. Bah, faut voir ce qu'on me propose comme mission, en fait. Salut, Fatal. Comment vas-tu? Du coup, je te dis pas comment on enlève le mode GPS. Enfin, pour le GPS. Attends. Je vais juste garer ma SMI. On va prendre 90 d'XP. Confirmé. Yes. Allez, c'est parti. Oh, putain, puis mon camion, il est rincé, quoi. C'est un truc de ouf. Rejoignez l'emplacement de déchargement. Écoutez, je pense qu'on va... ouais, oh, on va... J'allais dire, on va se faire ça en un temps, mais vu comment que c'est placé... Ça risque d'être compliqué. Du coup, je vois que ce serait possible de se rejoindre vers Metz ou je sais pas si t'as une mission vers là-haut. Alors, il y a Naïm qui veut qu'on aille à Bourges, il y a toi qui veut qu'on aille à Metz, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit d'aller en Belgique. Les gars, j'ai qu'un camion et un volant. Je ne peux pas aller partout à la fois. Putain, mon vieux, mais non, mais non, mais non. Je suis dégoûté parce que... Tiens, fermez les yeux. Fermez les yeux, ne regardez pas ça. Arrêtez de regarder ça, là. Putain, là. D'habitude, je me gare comme un vrai routier et tout, et pas là. Je suis désolé, c'est la catastrophe. D'habitude, c'est absolument pas comme ça. D'habitude, c'est pas comme ça, mais cet entrepôt, c'est vraiment la merde pour se garer. En général, c'est absolument pas comme ça. Alors, attendez. Ouais, c'est vraiment la merde pour se garer ici. Voilà. On y va tranquille. Ah, Jola, il y a un petit problème. Oui, c'est quoi le problème? Dis-moi. Il y a un camion retourné en plein milieu de la route. Ah, ça, c'est pas un problème. C'est une banalité sur le serveur Europe 2. Voilà. Hop. Nickel. Bon, franchement, là, vas-y, va me dire quoi? Excellent. Excellent. Bon, bah écoutez, bah, moi, ça me va. Oh yes! J'ai passé un niveau. On a passé un niveau. Écoutez, moi perso, ce que j'aime bien... Ah, les longues distances, on en a déjà pas mal de la longue distance. Je pense qu'on va prendre marchandises de grande valeur. Ouais, tu vois, histoire de faire peut-être un petit peu plus de sous. T'inquiète pas, Jolotte, c'est les risques du métier. Ouais. Yo, yo, Amidou, Amemidou, comment ça va? C'est vrai que là, c'était les risques du métier. Honnêtement, là... J'ai fait de la merde. Hein. Là, je vous le dis sur cette livraison, j'ai fait de la merde. Hein. Mais la seconde, ça va bien se passer. Voilà, la première, c'est toujours un petit peu un désastre. Salut à Mermidou et bienvenue. Je vais surtout... alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est qu'on va aller réparer le camion. On va aller... ouais, on va aller au garage. Pourquoi tu te fais pas ta propre remorque? Parce que je savais pas qu'on pouvait se faire sa propre remorque. Tout simplement. Name, t'as clairement... Bah écoute, regarde sur le live, rejoins-moi là où je vais, je suis à Clermont aussi. Si tu veux me rejoindre, il n'y a pas de souci. Ikea, non, ça on s'en fout. Voilà, on va aller réparer tout ça tranquillement. Oh putain, ta. Ce délire. Allez hop. Je conduis vraiment comme une biche aujourd'hui, là. On va essayer de se reprendre. On va pas essayer, on va se reprendre, tout simplement. C'est pas normal, ça. Normalement, moi, je suis un routier de l'extrême. Voilà. Alors, le garage.
Attendez, il y a personne. Bah si, je suis en ligne. Si, si, bah, c'est qu'il y a personne ici. Voilà, en général, ils sont tous à caler, les gens sur le serveur. Je sais pas ce qu'ils ont là-bas. Bon, on va réparer le camion. Salut, seigneur, ça va tranquille? Bon. Putain, mais comment qu'il arrive? Comme un taré, lui, mon gars. On va aller chercher une petite mission. Alors, attends. Attends. On va voir où est-ce qu'on peut se prendre une mission. Je pense qu'on va aller... Ah! On va aller chez Baptiste, tiens. Voilà. Alors, pas chez Baptiste. Baptiste. Bien sûr. Voilà. Nickel. Mais du coup, je vois, tant que tu permets, tu peux aller dans... Tu peux désactiver les autorités. Ouais, alors, attends, dis-moi comment qu'on désactive, vas-y. Dis-moi. Je vais dans les paramètres. Mais mon gars, putain, mais je viens de réparer le camion, là. T'as qu'à doubler. Oh. Je vais devoir aller réparer le camion, excusez-moi. Paramètres, oui. Oui, tu vas dans jouabilité. Jouabilité? Ah, mode de navigation, yes. Ok. Afficher la navigation toujours, alignement verrouillé sur le nord. Ok, d'accord. Yes, on va éviter les autoroutes. Il est sous tes yeux, bah ça va, j'avais pas vu. Ça va. Mais si, je suis très net. T'es pas net, Baptiste. Mais ça va pas, Baptiste. Mais si, je suis très net. Du coup, tu pars vers où, là? C'est qui me klaxonne, là? C'est qui, ça? Attends, je vais devoir aller réparer mon camion. C'est un abonné? C'est un abonné? Je vais devoir aller réparer mon camion, en tout cas, à cause de toi. Oui, bah c'est qui, ça? Hein? Qui c'est que ce machin? Ah bah c'est Name. Ah d'accord, Name. Ah bah je savais pas que c'était toi, mon gars. Voilà. Hein, je croyais que c'était encore un russe qui me faisait chier là. D'accord, c'était Name. Bon bah écoute Name, en tout cas à cause de toi là, faut que j'aille encore réparer mon camion là. Il m'a rentré dedans. Voilà. Et puis après on va aller chercher une petite mission. Ok. Moi, si tu veux, je suis bientôt en France. Là. Maintenant, ce... Hop, voilà. Réparer. Ouais, bah en fait, j'avais pas de dégâts. Bah, c'est pas grave. Nickel. Je crois, Name, il est chaud, là. Il est chaud pour faire une mission, Name. C'est comme ça qu'on se fait un petit salut de routier dans le jargon. Ah ouais, un petit coup de klaxon pour se remercier. J'arrive, Name.